seated. 请就坐. I would now like to introduce our head table. Please hold your applause until the entire table has been introduced. 我现在介绍我们的主桌, 请您持着掌声到全桌被介绍完. André Demaret, Honorary Chair of the CCBC. Wang Yi, Minister, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Philippe Couillard, Premier, Province of Quebec. Jiang Zengwei, Chairman, China Council for the Promotion of International Trade. Kaylin Rovinescu, CEO, Air Canada. Shi Gang, Chief of Staff, Office of the Premier of the State Council. Luo Zhaohui, Ambassador, Embassy of the People's Republic of China to Canada. Denis Coderre, Mayor, City of Montreal. Zheng Zeguang, Vice Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Bill Down, CEO, BMO Financial Group. Gao Hucheng, Minister, Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Stéphane Dion, Minister, Global Affairs, Canada. Xu Shaoshi, Chairman, National Development and Reform Commission. Alain Belmar, CEO, Bombardier. Xiao Jie, Executive Deputy Secretary General of the State Council of the PRC. Mark Machen, CEO, Canada Pension Plan Investment Board. Huang Shouhong, Minister, State Council Research Office. Melanie Jolie, Minister of Canadian Heritage. Xi Guohua, President, CRRC Corporation Limited. Qiu Yuanping, Minister, Overseas Chinese Affairs Office of the State Council. Donald Galoyan, CEO, Manulife Financial. Li Keqiang, Premier, People's Republic of China. And the Right Honorable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Today is a milestone, as it has been 21 years since the CCBC hosted both Chinese and Canadian leaders together in Montreal. 我们非常荣幸欢迎尊敬的李克强总理选择来到蒙特利尔访问。更好的是，您现在是最好的冰球队蒙特利尔加拿大人队的重要支持者。 We are delighted and grateful that Premier Li chose to visit Montreal, and even better to know that he is now a supporter of the best team in hockey, the Montreal Canadiens. It is now my distinct honor to introduce Canada's energetic Prime Minister, a positive force of nature moving around the globe and making Canada top of mind in many countries because of messages the whole world can relate to. Taking on the real issues in Canada and abroad, even the difficult ones, with a positive, determined spirit. Please join me in warmly welcoming the Right Honorable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, to the podium. Merci, Sarah, pour cette introduction. Bonjour, mes amis. Je suis très heureux de voir autant de visages familiers cet après-midi dans le cadre de cet événement important et surtout de vous voir tous rassemblés ici, chez moi, à Montréal. C'est un plaisir pour moi d'être ici aux côtés du Premier ministre Couillard et avec quelqu'un que j'ai vu beaucoup dernièrement, votre ami et le mien, le Premier ministre Li. Comme vous le savez, nous avons eu le privilège de recevoir le Premier ministre au Canada pour quelques jours. Je suis très heureux d'avoir eu la chance de lui rendre l'accueil chaleureux que lui et ses collègues nous ont offert il y a quelques semaines seulement en Chine. I was fortunate enough to spend over a week in China with my wife and daughter, as well as with our Canadian delegation for an official visit and the G20 summit. And while there, I actually addressed the Canada-China Business Council in Shanghai. So let me just say that it's great to see so many of you in the audience once again.
When I met with Premier Li in Beijing, we talked about the importance of renewing the relationship between our two countries. And we know that the best way to do that is to stay engaged in open, honest dialogue about things that matter. And I'm so pleased that the Premier was able to come to Canada so soon after our initial meeting. I believe in making good on our promises, and the promise to maintain communication for the benefit of both of our peoples is of paramount importance. Because, as the Premier and I fully agree, the first step in getting things done for the middle class and those working hard to join it is to build a partnership grounded in trust and stability. You know, the discussions between our two countries lately have centered on the idea that the economic potential between us is vast, and that we'd be doing a great disservice to our people if we didn't tap into it. Our bilateral relationship has generally been warm, starting with some great work done by my dad that I'm particularly proud of. But over the last decade, relations have been unfocused, inconsistent. Well, my government is committed to changing that. With our Chinese partners like Premier Li, we'll bring stability and regularity back to the table. Just yesterday, the Premier and I announced some exciting new initiatives that will help grow our economies and help people get ahead. Tout d'abord, nous avons décidé de commencer des discussions exploratoires en vue d'un possible accord de libre-échange entre le Canada et la Chine. C'est une bonne nouvelle pour nous, surtout dans le contexte de notre objectif de doubler les échanges bilatéraux d'ici 2025. Avec ce nouvel objectif, avec la signature d'ententes commerciales importantes, nous pouvons aider les travailleurs et les entrepreneurs canadiens en ouvrant de nouveaux marchés et en créant des emplois. Et nous avons aussi annoncé plusieurs excellentes nouvelles pour les agriculteurs canadiens. Nous sommes en effet arrivés à une entente stable et prévisible sur le commerce du canola et nous reprendrons l'exportation du bœuf non désossé vers la Chine. Ces mesures aideront les producteurs agricoles canadiens à acheminer leurs produits sur les marchés tout en faisant croître et en renforçant les économies locales. Our progress on these files and others is a great example of how, by working together, countries can solve important challenges for the benefit of their citizens. This last month of strong, collaborative engagement represents a new era in the China-Canada relationship, and I'm excited to develop and maintain a real partnership that will benefit all of our peoples for generations to come. Thank you once again for inviting me to be here with you today. I'm now pleased to invite up Premier Li to share a few words with you. Merci beaucoup.尊敬的特鲁多总理先生，主席女士，女士们、先生们，我很高兴来到蒙特利尔，也是特鲁多总理的家乡，和他一起共同出席中加第六次经贸论坛。刚才。 主席女士说我是蒙特利尔加拿大人冰球队的支持者，我确实是，但是。
但是我比支持者还要更深一步，因为刚才我和特鲁多总理一起去了蒙特利尔，加拿大人冰球队的训练场地，他们向我们两位赠送了球衣，而且我穿上了这个球衣，并且我们一起发了球，我自认为是蒙特利尔加拿大人冰球队的荣誉成员。 我预祝球队在世界锦标赛上夺冠。我在这个训练场的休息室里看到了他们打的一副标语，叫做 "No excuses, be a winner." 我就跟特鲁多总理说：“我说，我们也没有任何借口，中加之间必须实现双赢。所以在这里，我向你们问好 ，Good morning， 本入。” 中加为什么是可以实现双赢？正像刚才特鲁多总理所说，我们两国政府建立了更强的政治互信，在一个月之间，两国总理互访，而且在互访之间不仅达成重要共识，见证签署了 几十个中加合作的文件，这在中加交往史上是少有的。这表明中加关系在快速的升温。我们决心共同努力，使中加关系重返当年曾经走在 中国和西方大国交往的前列，中加之所以能够实现双赢，还因为我们之间有着广泛的经济互补性。我们都是主要经济体，我们在产业合作、 经济合作、人文交流方面有很强的互补性。当然，也因为我们之间有很大的潜力。现在中加贸易额去年只有500多亿美金，坦率地讲，和这两个大的经济体的地位相比较还不相称。 但恰恰给我们留下了更大的空间。我们要挖掘这个潜力，让中加贸易额达到未来10年不仅是翻一番，我认为应该是比翻一番更多。 第三，我们这次达成了一个共识，就是要开启中加自贸区的可行性研究。坦率地讲，和加拿大开启自贸区谈判，对中国来说是一个挑战。
因为我们到目前为止和发达国家都是 G7 以外的少数发达国家有自贸安排，我们和 G7 国家的经济体还没有自贸的安排。对一个发展中国家来说，打开大门进行自由贸易，更通畅的自由贸易，这意味着什么？意味着它和发达国家比会受到更大的压力，因为中国我们所生产的产品还处于中低端，是全球价值链的中低端，而加拿大是在中高端，是在价值链的中高端。但正因为为了推动中加关系的发展，为了挖掘中加的潜力，合作的潜力，我们愿意和加拿大开展自贸协定的研究，这本身对中国企业将是一个倒逼的机制。在场的有很多中国的企业家，你们要做好准备，这是商场，正像刚才我在冰球场上一样，那是一个竞赛的场地。所以中国企业要学习加拿大先进的技术和管理经验，我们之间通过不断的扩大贸易的交往，扩大自由贸易的水平，提高自由贸易的水平，会取得双赢。加拿大一定啊会获得更多的贸易机会，中国的企业也会在这场竞争当中来自我加压，来提升自身产品的质量。第四，就是中加为什么可以双赢，是因为我们的互补优势可以开拓第三方市场。我昨天晚上和特鲁多总理又达成新的共识，我们认为在航空、在铁路这些领域，如果中加拿大的先进的技术和中国性价比比较好的装备结合起来，我们一起去开拓第三方市场，尤其是发展中国家的市场，我相信竞争力是很强的，会不亚于蒙特利尔加拿大人冰球队在世界锦标赛上的竞争能力。第五，为什么我们可以取得双赢？因为我们都遵循国际规则，都希望有一个和平的国际环境，稳定的地区环境。我在和特鲁多总理会谈的时候，我们谈到了国际的热点问题，地区的稳定问题，我们都主张用和平的方式，外交的手段来解决热点问题。中国和加拿大从无历史上的恩怨纠葛，如果说有的话，那就是中国人们始终不会忘记的，在我们最艰难的时刻，以白求恩大夫为代表的加拿大的友人
对我们给予的无私的帮助。我们也不会忘记的是在中国六十年代，上个世纪六十年代比较困难，不少人处于饥饿边缘的时候，加拿大突破封锁向中国出口小麦等粮食。而中国现在虽然是个发展中国家，毕竟我们三十多年来取得了巨大的发展成就，中国今年上半年 GDP 的增速在6.7%，仍然走在世界的前列，而且现在的数据表明继续稳定向好，我们全年完全有能力实现经济社会发展主要目标，并且保持中国经济中高速增长。中国经济现在如果实现6%到7%的增长，就意味着一年要新增8000亿美金，相当于一个中等国家的总量。中国虽然有困难，但是我们在不断的克服。中国虽然也存在一些问题，但是我们在不断的解决。比如说加拿大方面关心的知识产权保护，我们会加大知识产权保护的力度，仅过去五年我们就处理了100万件侵犯知识产权的案件。我们将继续推进法治国家的进程，我们在推动政府简政放权，放宽对市场的管制，同时也要完善规则，让市场有一个公平的竞争环境。违反公平原则的该处理的要处理，违法的必须得到惩处。中国将营造一个良好的不断改善的法治环境，使加拿大的投资者商人们，你们和中国的企业一样，不仅会得到公平的公正的同等的待遇，而且我们在各个领域各个方面都将透明我们的规则，依照我们的法律，使企业家有对中国的经济发展有一个良好的稳定的预期，欢迎你们到中国去投资。我们也支持中国的企业到加拿大投资，我们之间已经有 BIT， 这可以说啊是中国和发展中国家签订的内容最广泛的一个协定。下一步我们期待着不久的将来 FTI 会出炉，你们的商机会无限，中加关系会迎来新的黄金十年。谢谢大家。Thank you, Maxine.Thank you, Premier Li. Now, could we please welcome the Premier of Quebec, Philippe Couillard, to wrap up the session for us today. Merci, Madame. Monsieur le Premier ministre du Conseil des Affaires d'État de la République populaire de Chine,
Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le Président honoraire du Conseil d'affaires Canada-Chine, Monsieur André Desmarais, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Dajia Hao. Monsieur le Premier ministre Li, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir au Québec et particulièrement dans notre métropole. Une ville chargée d'histoire qui fêtera l'an prochain son 375e anniversaire et avec laquelle nous avons annoncé ce matin, en présence du maire de Montréal, la nouvelle liaison aérienne Montréal-Shanghai à partir de février prochain 2017, année du 375e anniversaire. Depuis 18 ans, le gouvernement du Québec est présent en Chine pour développer avec le peuple chinois des liens économiques, culturels et politiques. Certaines de nos entreprises entretiennent des liens avec la Chine depuis le début des années 60. Et je tiens à souligner que des gens d'affaires comme la famille Desmarais ont grandement contribué à l'avancement économique, social et culturel du Québec en Chine. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'entreprises sont implantées sur votre territoire. Leur expertise va de l'environnement à l'aérospatial, les technologies de l'information, l'agroalimentaire, en passant par l'économie numérique. Au Québec, vous trouverez une communauté chinoise très présente, dynamique et très impliquée dans la communauté. Un environnement culturel et universitaire stimulant. Mais notre plus grande force au-delà des ressources au Québec, comme pour tout pays, toute nation, ce sont nos gens, des gens qualifiés, talentueux, créatifs et passionnés. Les forces du Québec présentent de nombreux points de convergence avec les objectifs du plan quinquennal chinois, qui mise notamment sur l'innovation, le développement durable et l'ouverture de l'économie. Nous souhaitons que les nombreuses collaborations développées au cours des dernières années progressent et atteignent de nouveaux horizons. Des collaborations dans divers domaines, tels que celui des changements climatiques, un grand défi du 21e siècle, et il faut souligner l'annonce récente par le gouvernement chinois de la mise sur pied d'une bourse du carbone pour un pays d'une telle importance sur la planète que cette entrée dans le marché du carbone et la fixation d'un prix au carbone va avoir une influence déterminante sur l'avenir de notre planète. Monsieur le Premier ministre, le succès de nos missions, la mienne en octobre 2014 avec 200 personnes, celles qui ont suivi par nos ministres, ainsi que l'accueil généreux qui nous a été fait, confirme que la relation du Québec, tant avec le gouvernement central qu'avec d'autres gouvernements tels le Shandong et la municipalité de Shanghai, offre de très, très belles perspectives. Cette convergence ne peut qu'être propice à l'intensification des échanges et d'une amitié qui s'écrit depuis plusieurs décennies. Xie xie da jia. Ladies and gentlemen, please enjoy your lunch. Mesdames et messieurs, bon appétit. 请用餐.